Ma quanto tempo durano sempre. Infilarata di paesaggi. L'initiation d'une façon générale, l'initiation maçonnique en particulier, est en 40 minutes, est une tâche délicate, mais nous demandons souvent ce qu'est l'initiation, ce qu'elle peut nous apporter. En fait, nous connaissons l'initiation maçonnique en général que par ce qu'en dit la presse. Or, la presse, elle vient en parler sur l'aspect scandale, et beaucoup de livres en parlent de façon trop historique, trop ésotérique, trop mystérieuse, et comme nous le fermons, nous n'avons pas tout à fait compris de quoi il s'agissait. Alors, nous allons essayer ce soir de partager le chemin initiatique. Je dis partager parce que le chemin initiatique est quelque chose que l'on vit personnellement. C'est un chemin que l'on fait entre ce que l'on est ordinairement, c'est-à-dire ce que la vie nous a fait, et puis ce que l'on désire devenir. En fait, nous aspirons tous à plus de fraternité, à plus d'amour, à plus de justice, à plus de bonheur, et puis à cause des autres, parce que nous on est parfaits, c'est toujours à cause des autres, nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons au fond de nous. Et le chemin initiatique est quelque chose qui va peut-être nous permettre de devenir ce que nous aspirons à devenir. Pour comprendre ce chemin et l'importance très particulière de la technique et de la méthode maçonnique, il faut déjà remonter dans l'histoire et se rendre compte que ce n'est pas une fantaisie ni du XVIIIe siècle, ni du XXIe siècle, l'initiation a existé depuis que l'homme existe. Tout au moins, l'initiation a commencé à prendre forme lorsque, à la préhistoire, les Néandertaliens ont commencé à enterrer les morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intuition particulière, de l'harmonie extraordinaire qu'il fallait à ces hommes pour se dire que quelque chose de vivant et qui s'éteignait allait poursuivre sa vie. Il ne pouvait pas, comme on le dit très souvent, se référer à quelque chose qu'ils avaient vu dans la nature. Dans la nature, un animal qui est mort, il ne revit pas. Il y a peut-être simplement, avec les végétaux, en hiver, il meurt, tout disparaît, et puis au printemps, il y a une vie souterraine qui commence à germer et à reprendre. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils ont compris qu'il y avait en eux-mêmes, ils avaient cette sensation qu'à la mort et à l'arrêt de leur vie physique, quelque chose pouvait se poursuivre. Et ils ont enterré leur mort dans des espèces de ventres de la terre, dans des tumulus, en mettant les morts dans la position fœtale, orientés vers la sortie du tumulus, comme s'ils allaient renaître. Bien sûr, ce n'était pas le corps qui allait renaître. Mais quoi ?
C'était pour nous, et c'est pour nous toujours un grand mystère, car entre nous, nous nous posons tous cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui peut se poursuivre, ou est-ce que tout disparaît? Et l'initiation en quelque chose de particulier par rapport aux religions qui sont nées à ce moment-là également, c'est que les religions disent « Croyez, je vous affirme ceci, si vous faites, vous allez revivre. » Et alors on s'interroge entre la foi ou le doute. Et les initiés qui se disent « Si ça existe, eh bien on veut le vivre, on veut en être certain, on veut le percevoir, on veut le sentir pour que ça devienne une réalité. » Eh bien c'est tout le chemin de toutes les initiations de prendre l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire le sommet de la création, mais quand même un mammifère, le sommet des mammifères peut-être, et qu'il prenne conscience, qu'il arrive à sentir, à savoir, à connaître l'énergie qui est en lui et qui peut peut-être se poursuivre. Et pour prendre conscience de cette énergie, les hommes qui ont été intéressés, qui sentaient cette interrogation qui les taraudait, se sont posé la question comment on pouvait être certain, comment on pouvait sentir, comment on pouvait avoir conscience de cette énergie qui est en nous. Et comment, si elle existe, on peut la faire vivre? Eh bien, ils ont créé une méthode, petit à petit, qui est variable suivant les lieux géographiques et suivant les temps, les connaissances des civilisations et les religions des civilisations, mais qui est imparablement et tout le temps la même méthode. Alors, avant de voir justement ce que nous pouvons, nous, au XXIe siècle, en penser et en faire, je vais essayer de vous décrire très rapidement, puisque je n'ai que 40 minutes, l'histoire de ces initiations diverses qui ont existé dans le croissant fertile, notamment au Moyen-Orient, en Orient et en Occident, pour que l'on voit bien ce qui est identique. Alors, très rapidement, par exemple, il y a un ordre initiatique qu'on a retrouvé en Mésopotamie qui racontait l'histoire de Gilgamesh. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on raconte des mythes au lieu de dire des faits. Ce mythe de Gilgamesh au Moyen-Orient raconter l'histoire d'un homme qui cherchait à trouver cette éternité, à la rendre réelle, et qui a commencé à la trouver lorsqu'il a eu la force de maîtriser un lion à main nue. En Perse, un peu plus loin, le mythe initiatique de Mithra racontait que Mithra était né d'une étincelle de rocher, le rocher étant l'homme lui-même tel que nous sommes, parce qu'on retrouve dans la Bible qui dit que l'homme est pétri de terre, donc à l'intérieur de nous-mêmes il y a une étincelle, et Mithra avait fait dans son chemin aussi quelque chose de très particulier, c'est qu'il est devenu capable de maîtriser un taureau à main nue. D'ailleurs, les Romains, quand ils ont conquis la Perse, ont pris ce mythe initiatique pour en faire une religion, parce qu'ils se sont dit, ce dieu Mithra est tellement fort que il nous protège, alors nous aussi, nous allons avoir cette force extraordinaire et nous allons pouvoir vaincre nos ennemis. Vous voyez combien, comment on peut passer d'un mythe initiatique à une religion et à une croyance, à une espérance.
D'ailleurs, si on regarde encore actuellement, les sages chinois chevauchent un tigre et les sages japonais chevauchent un buffle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en initiation, ce ne sont pas des belles histoires quand on raconte. Chaque initiation s'adresse à vous-même, comme je voudrais ce soir m'adresser à chacun d'entre vous qui se demande « qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, un homme n'a pas la force de maîtriser un taureau, un buffle, un tigre ou un lion. Tout simplement, le mythe initiatique nous dit que si nous voulons évoluer, si nous voulons rencontrer quelque chose de différent en nous, eh bien, il faut maîtriser l'animal qui est en nous. Nous sommes comme tous les animaux, comme tous les mammifères, avec des pulsions affectives, avec des impulsions physiques, avec des impulsions intellectuelles, cérébrales. Et ça fonctionne tout seul. C'est le propre de notre constitution. Mais si on arrive à le maîtriser, alors peut-être on pourra rencontrer cette énergie éternelle qui fait que nous serions différents, que nous pourrions passer de l'homme ordinaire à l'homme réel, à l'homme achevé. Et pour ça, parce que finalement, qu'être dans ce monde pour nous, de penser qu'il y a une énergie qui a commencé il y a des milliards d'années avec le Big Bang, que cette énergie s'est transformée en matière, que cette énergie a produit des gaz, que cette énergie a produit de l'eau, que cette énergie a produit des végétaux, que cette énergie a produit des cellules, que ces cellules se sont amalgamées pour former des poissons, que les poissons ont formé des reptiles, que les reptiles ont formé des mammifères, et que ces animaux mammifères ont formé l'homme, et que là, la nature serait tellement heureuse qu'elle s'arrêterait là, qu'elle ne poursuivrait plus son évolution. Peut-être. Les initiés se demandent, est-ce que nous pouvons avoir un stade d'évolution supérieur et dépasser nos fonctionnements de mammifères pour devenir un homme achevé? C'est séduisant. C'est séduisant et pourtant, nous nous apercevons que dans la société, tout le temps et partout, on nous éduque à faire travailler notre ego, c'est-à-dire la partie mammifère. Plus un homme dans la société sert la société, et plus il est rémunéré, plus il est honoré, plus il trouve une place, et on le rémunère et on l'honore juste assez pour qu'il ait envie de servir encore davantage. Mais jamais on nous parle de servir notre humanité profonde, de faire progresser notre humanité profonde. Et c'est pour ça qu'à côté de toutes les civilisations, toutes les organisations civilisationnelles importantes et remarquables, c'est développer des rites initiatiques propres à dire à l'homme, vous êtes cela. Vous aspirez à plus d'amour, vous aspirez à plus de fraternité, vous aspirez à une vie autre. Eh bien, essayons de parcourir ce chemin pour savoir si c'est réel et si ça existe. D'ailleurs, il y a un mythe initiatique qui nous a marqué et dont je ne vous ai pas parlé, c'est le mythe initiatique d'Isis et Osiris, qui est toujours évidemment très prégnant dans les rites initiatiques modernes, c'est-à-dire ce mythe initiatique nous dit que nous sommes fractionnés. Nous sommes réduits en morceaux, en miettes,
parce que nous n'avons pas cette volonté de regard pour nous unifier. Et il le dit de façon légendaire, en nous racontant l'histoire d'Osiris, qui est coupé en morceaux par ses ennemis, jeté dans le fleuve de la vie qu'est le Nil, complètement dispersé, comme nous le sommes souvent. Car tantôt nous désirons avoir du savoir, tantôt nous désirons obtenir des possessions, tantôt nous avons peur, tantôt nous sommes ambitieux, tantôt nous sommes fiers, tantôt nous sommes misérables, nous sommes complètement fractionnés, dispersés, rejetés dans la vie, et c'est la vie qui nous disperse elle-même. Et ce mythe initiatique disait, essayons de nous rassembler déjà. Rassemblons ce qui est en nous et qui est épars. Et vous le savez, bien sûr, qu'Osiris, que Isis, qui va rassembler Osiris Isis, c'était dans suivant des versions, c'était sa femme ou sa sœur, en tout cas c'était la féminité et l'amour. En franc-maçonnerie actuelle, on parle plus de fraternité. Et c'est cet amour qui va permettre de rassembler ce qui est épars, et il y a une partie qu'elle ne va pas retrouver, c'est-à-dire son phallus, parce que finalement, la sexualité fait partie de nous, simplement pour que l'animal que nous sommes puisse se reproduire. Mais est-ce que la continuité humaine a besoin d'être un animal, ou elle est au-delà, et que notre être intérieur, ou notre âme, peu importe comment on peut l'appeler, est sexué? Sûrement pas. Osiris devient un dieu par la qualité de son être intérieur. Ça nous amènera peut-être à discuter de l'obligation ou de la difficulté du travail initiatique uniquement masculin, uniquement féminin ou mixte, puisque s'il n'y a pas de sexualité intérieure, on devrait pouvoir se réunir et travailler ensemble. Mais est-ce qu'on est déjà au-delà de notre constitution de mammifère? Donc vous voyez que partout, quel que soit le mythe, quel que soit le lieu géographique, il y a des étapes à suivre. Première étape qui est bien mise en valeur en Grèce, c'est connaissance de soi. Il est sûr que si l'on ne se connaît pas tel que l'on est, et si cette connaissance ne nous heurte pas, j'allais dire, si nous ne voyons pas le drame que nous sommes, la misère dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas envie de changer, après tout. Et donc, il faut se connaître, mais se connaître tel que nous sommes réellement. Il ne s'agit pas de se connaître tel que nous croyons être, ou tel que nous ambitionnons d'être, ou tel que nous voulons faire semblant de pas. Il s'agit de se connaître réellement, de voir, j'allais dire, l'horreur de la situation, c'est-à-dire que toutes nos pulsions, toutes nos pensées, toutes nos émotions, toute notre conscience humaine repose sur la conscience du mammifère, de l'animal supérieur peut-être, mais qui est loin de l'homme supérieur. Quand je dis supérieur, ce n'est pas une hiérarchie que j'ai établie. C'est-à-dire l'homme qui peut continuer à devenir à partir de l'énergie originelle de la création, qu'est-ce que l'homme peut devenir? Voilà en gros les bases qui sont exprimées très souvent par connaissance de ce que l'on est, mort du vieil homme, c'est-à-dire de l'homme ordinaire, et laisser la place au nouvel homme. Tout ça mérite explication, parce que mort de l'homme ordinaire, c'est-à-dire de l'homme mammifère, de l'homme qui fonctionne égotistement comme il fonctionne, ce n'est pas possible. On ne peut pas, enfin tout au moins ceux qui sont sérieux et qui suivent le chemin initiatique se rendent compte, et s'ils ont une connaissance d'eux-mêmes,
que l'homme, l'ancien homme que nous sommes, ne peut pas nous retrouver. Alors comment le faire disparaître? Parce que nous sommes dans le symbole. La mort est une mort, disons-nous, symbolique. C'est-à-dire que l'ego va continuer, mais l'être intérieur va commencer à se dresser. Et l'être intérieur va commencer à se dresser, et nous le retrouvons, pour revenir à la maçonnerie actuelle, qui est l'ordre initiatique, un des ordres initiatiques les plus contemporains, bien qu'il soit né au XVIIIe siècle. On va nous dire, il faut descendre dans un des rituels initiatiques, on va nous dire, il faut descendre à l'intérieur de nous. Partager avec vous cette expérience. Parce que connaissance de soi, descendre à l'intérieur de soi, une vie intellectuelle, ça commence avec la Bible. La Bible, qui d'ailleurs, avant d'être une religion, a été aussi un ordre initiatique ou garite dans le haut pays mésopotamien. Et cet ordre initiatique qui est devenu la Bible disait « l'homme est pétri de terre ». Et si l'homme est pétri de terre, lorsque dans le rite moderne de la maçonnerie, on nous dit qu'il faut descendre dans la terre, qu'on appelle le cabinet de réflexion, ça veut dire qu'il faut descendre en nous-mêmes. C'est nous la terre. Il faut descendre en nous-mêmes parce que si nous nous observons connaissance de soi, si nous nous observons honnêtement pour voir comment nous fonctionnons, regardons. Nous sommes toujours en train de réfléchir. Nous sommes toujours complètement axés sur le fonctionnement cérébral. Nous avons envie de comprendre à tel point que nous vivons dans le tumulte, parce que lorsque le cerveau ne fonctionne plus, nous sommes désemparés, parce que nous nous retrouvons en face de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que peut et comment peut fonctionner le cerveau? Chez un enfant, le cerveau est pratiquement vierge, les cellules sont pratiquement vierges, et il enregistre tout ce qu'il peut voir. Je ne veux pas évoquer le fait s'il y a des vies précédentes ou autres. Pour ça, nous n'en savons rien, et ce serait spéculer. Mais dans son cerveau, on lui apprend ce qu'est un biberon, ce qu'est une mère, ce qu'est l'amour, ce qu'est le partage. Il commence petit à petit à s'enrichir de notions les unes après les autres. À tel point qu'aujourd'hui, nous sommes le résultat de tout ce que nous avons appris. Nous sommes le résultat de notre vécu parental, de notre éducation sociale, de notre éducation, de tout ce que nous avons appris dans les écoles, les facultés, les lycées et autres. C'est ça ce que nous sommes. Certains connaissances, certains savoirs nous sont convenus plus ou moins et nous nous sommes mis à les défendre. Parce que des notions telles que l'honneur, la force, l'amour, bon, tout ça, on s'est dit, on sait bien, ça nous convient, on le prend, ça nous protège dans la vie. Et puis maintenant, lorsque nous rencontrons une notion un peu neuve, nouvelle, même un paysage nouveau, qu'est-ce que nous faisons? On n'est pas en train de le regarder, de le laisser s'imprégner à l'intérieur de nous-mêmes. Nous commençons à le comparer avec ce que nous savons déjà. Même avec les personnes. Une personne vous a agressé hier, aujourd'hui vous la rencontrez, vous êtes très prudent, on dit que c'est une personne méchante et agressive. Même si elle, entre-temps, elle a compris qu'elle n'aurait pas dû vous agresser et qu'elle vient vous voir avec un peu d'amour, un peu d'humilité, eh bien vous, vous la voyez peut-être qu'elle était hier. Donc notre cerveau déforme toujours la réalité. Nous n'avons aucune possibilité de comprendre quelque chose de nouveau. Or, l'initiation qui veut nous faire vivre intérieurement, qui veut développer une autre façon d'être présent à la vie,
que nous ne connaissons pas, est obligé de court-circuiter notre mécanisme cérébral ou affectif, c'est-à-dire notre mécanisme d'homme ordinaire. C'est pour ça qu'on parle de mort de l'homme ordinaire. Et pour pouvoir s'adresser, pour que nous puissions comprendre différemment, être présent sans mettre en jeu notre mémoire passée, sans analyser le présent par le passé, à travers le passé, eh bien, les ordres initiatiques ont inventé les symboles. Car le symbole ne fait pas appel à la raison, il fait appel à l'analogie. Et pourtant, n'ayons pas peur, bien souvent nous avons peur que nous perdrons notre raison si nous n'avons plus l'habitude d'utiliser notre intelligence. Mais le cerveau, l'initiation ne nous demande pas d'abandonner notre intelligence. Elle nous demande de l'utiliser quand nous avons besoin. C'est-à-dire, par exemple, de savoir que pour commencer à 7 heures, il fallait partir de chez soi à 6h30, parce que sinon, on ne peut plus être adapté à la vie. Ou que si c'est le soir, il faut se couvrir parce qu'il va faire froid. Nous avons besoin de notre réflexion intellective. Dans des professions, savoir comment construire un pont ou autre. En tout cas, nous avons besoin de notre intelligence. Mais nous l'utilisons tout le temps, même quand nous n'en avons pas besoin. Ici, nous pouvons donc nous apprendre à prendre de la distance vis-à-vis de notre mécanique, et de ressentir, simplement être présent et ressentir ce qui va arriver. Or, vous voyez bien quand vous voyez quelqu'un dans la rue ou à côté de vous, qu'est-ce que c'est que celui-là? T'as vu comment il est habillé, t'as vu comment il est peigné, t'as vu comment il me regarde, t'as vu comment il a les dents, comment il est maquillé. Et donc, on fait tout de suite un barrage, on se protège. On ne laisse plus rentrer en soi-même où on pourrait communiquer de mon être à ton être directement, peu importe l'extérieur. Et vous voyez que dans ce cas-là, on élargit notre conscience. L'initiation n'est pas quelque chose qui nous coupe d'une conscience que nous avons appris, c'est quelque chose qui ajoute à notre conscience une autre conscience. Et donc on a une conscience plus grande. On devient un peu différent, parce que dans la nouvelle conscience, il existe aussi l'ancienne. Dans la nouvelle intelligence, il va y avoir l'ancienne intelligence. Et à ce moment-là, on devient beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de fonctionnement cérébral, je parle simplement de compréhension de la réalité. Notre réalité est toujours voilée par notre regard, par nos pensées, par nos émotions et par nos peurs. Et c'est ça que va nous amener petit à petit l'initiation à comprendre et à exercer. Alors, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons tellement l'habitude du fonctionnement ordinaire que nous ne savons plus aller vers l'extraordinaire. Or, la grande aventure, c'est notre vie intérieure, c'est le développement de l'homme, devenir vraiment un homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait même pas ce que ça veut dire, développer tout le potentiel que l'on a. C'est vraiment l'inconnu, c'est la grande aventure d'une vie entre la naissance et la mort. Quand nous naissons, le corps physique, comme chez tous les mammifères, se développe automatiquement. Nous passons du bébé à l'enfant, d'enfant à l'adolescent, d'adolescent à l'adulte, et puis là on périclite. Mais est-ce qu'on pourrait aller ailleurs? Est-ce qu'on pourrait s'enrichir autrement? Et est-ce qu'on c'est normal d'avoir peur, puisque en nous, il y a toujours l'enfant. En nous, il y a toujours l'adolescent. En nous, il y a toujours l'adulte. Eh bien, l'homme initié a toujours ce que nous sommes en lui-même, mais d'une autre façon, avec une autre vision.
avec d'autres sentiments, avec une autre attitude dans la classe, parce que tu vois ce qui est juste et ce qui fait partie de son imagination. Tu vois beaucoup de choses et c'est ce qu'il désire développer, c'est ce que nous désirons développer, parce que à ce moment-là, il y a une espèce, on parle de la sagesse, mais la sagesse n'est pas un éloignement, c'est au contraire un rapprochement vers la vie telle qu'elle est. Et je vous parlais, je ne sais plus quelle heure il est, il me reste 40 minutes, je ne sais plus combien il me reste, je n'ai pas regardé, il est 8 heures, on a commencé à 7h30, j'ai plus encore le temps. On a encore le temps de partager en famille quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de ce désir d'amour, d'affection que nous avons, et qui est difficile, et que les francs-maçons parlent de fraternité. En général, dans le public, cette fraternité est mal vécue, parce qu'on a l'impression que c'est une entraide, simplement pour être affairiste, pour faire des combines, pour s'arranger à être plus puissant, etc. Et on croit que la fraternité, c'est là, alors que le mot d'amour nous séduit davantage, et d'ailleurs les religions parlent d'amour, et saint Paul disait que vous sachiez beaucoup de choses, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes que saint Paul qui résonne dans le creux. Alors donc on va aller vers l'amour, c'est vrai, on va aller vers l'amour, mais très différemment, parce que, encore une fois, connaissance de soi, c'est très pratique, c'est pas des grands pas, c'est pas de la philo, c'est pas des dogmes, c'est simplement quelque chose de pratique. Qui est-ce que nous aimons? Ne me le dites pas, mais essayez de sentir. Qui est-ce qu'on aime? Bon, on aime ceux qui nous aiment. Puisqu'on se sent aimé, bon, on leur donne un peu d'amour. On aime ceux qui nous aident, parce qu'on est un peu perdu, c'est une solitude qu'on refuse, il y a quelqu'un qui nous aide. On aime. On aime ceux qui nous donnent de l'argent, parce qu'on a tellement envie et peur d'être pauvre, ou dans l'âge, ou dans la vieillesse, où immédiatement on a l'impression qu'avec de l'avoir, on va être respecté, on va être aimé. Si on nous en donne, on commence à aimer. Autrement dit, on n'aime personne. On est des mendiants d'amour. Si on nous donne une pièce, si on nous donne un peu d'amour, nous commençons à l'aimer. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour initiatique est totalement différent. L'amour initiatique, c'est nous sommes amour. C'est un état d'amour. On n'a rien besoin de recevoir. On est simplement amour. Alors, pourquoi nous parlons de fraternité? Parce que nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'amour, puisque nous sommes incapables de vivre cet état d'amour. Alors que la fraternité, ça peut se travailler. La fraternité, on dit qu'il faut être fraternel. Alors je vais essayer d'être, lui il m'embête parce qu'il est toujours en train de demander quelque chose, ou il me demande d'aller à 11h du soir le secourir, et puis j'ai pas envie. Et on s'aperçoit qu'on peut faire un effort de dépasser nos pulsions raisonnables ou intellectuelles. Si on les dépasse, ça veut dire qu'on les tue un petit peu. C'est la mort de notre constitution, de notre raisonnement et de nos habitudes. On les fait mourir pour être fraternel. Et malheureusement, même dans les familles, qu'est-ce qu'on attend d'un frère? Eh bien, c'est qu'il nous aide, qu'il soit agréable. Et puis, lorsqu'on est un peu agressif ou pas tendre avec nous, on dit que c'est un faux frère. C'est pas gentil, c'est pas normal. Entre frères, ça devrait pas. Ça, c'est encore fonctionnement normal. Et si on le connaît, alors on peut s'exercer malgré ce qu'il me fait, moi je vais l'aider. Et puis dans l'initiation, il y a une deuxième notion de fraternité, c'est-à-dire que nous sommes là non pas pour nous aider
dans la matérialité ou dans le succès visible et extérieur, nous sommes là ensemble pour essayer de devenir un autre homme. Quand je dis un autre homme, hein, ne me prenez pas, c'est avec la H majuscule, je ne fais pas de différence entre les femmes et les hommes, bien sûr. Nous sommes là pour devenir un autre homme. Donc, si je suis fraternel, je ne vais pas dire à quelqu'un, parce qu'il est banquier, en disant, tu as été remarquable ce soir, j'aime beaucoup ce que tu as dit, parce qu'on se rendrait à lui demander un prêt le lendemain. Et donc, il faut qu'il nous aime. On va oser lui dire, tu sais, ce que tu as dit dépend de ton ego. C'est purement ta pensée égotique qui était en avant. Bien sûr, tu as envie d'être brillant. D'ailleurs, tu es professeur à l'université, tu es le plus brillant d'entre nous. Enfin, c'est pas ça qu'on vient chercher, sinon on irait en faculté. Ce qu'on vient chercher, c'est l'être intérieur, l'âme, la communication, le rapport entre nous, devenir plus humain. Alors, la fraternité sur le chemin, c'est aider les autres. Aider les autres à progresser. Aider les autres à progresser, ça demande beaucoup d'exigence vis-à-vis de soi-même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de blesser les autres. Ça peut arriver, parce que l'autre va mal le recevoir. Mais notre tâche, honnêtement, aider les autres à progresser sur le chemin initiatique. Jusqu'au moment où un jour il va rentrer et faire vivre son être intérieur, et l'être intérieur a la qualité inhérente d'être amour. Alors peu importe quelle tête il a, peu importe ce qu'il fasse, peu importe ce qu'il me dise, c'est un homme en face de moi qui a tous les défauts des hommes égotistes, qui a toutes les qualités de l'homme potentiel qu'il pourrait devenir, qui souffre comme moi, qui aime comme moi, qui espère comme moi, et qui ne connaît pas son chemin. Et je l'aime comme lui il est, parce que c'est un potentiel qui peut aller jusqu'à la spiritualité la plus haute. Et dans ce cas-là, on aime et tout le monde, et la nature, on est très souvent en contact avec ce genre d'émotion au coucher de soleil. On est tellement dépassé par la majesté d'un coucher de soleil que brusquement, on devient une vibration d'amour. Ça ne dure pas parce qu'il y a une mouette qui nous embête, il y a la bébé qui crie à côté, et alors on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais c'est tout le chemin que va nous demander l'ancrage dont je vous parlais tout à l'heure, descendre en soi-même, c'est-à-dire garder cette sensation au lieu de suivre ce que va dire le mental. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui fait du bruit alors que je suis en extase devant le coucher de soleil, je vais avoir une révolte. Et là, j'ai le choix. Où je suis ma révolte, où je suis et je m'ancre dans ma sensation. Et petit à petit, je suis tellement ancré dans ma sensation, petit à petit, c'est un exercice long, qui est assez long, qui demande du travail, que peu importe le mal, je reste dans mon silence malgré le tumulte et les bruits des hommes ordinaires qui se battent pour un peu plus d'argent, pour un peu plus d'affection, pour un peu plus de reconnaissance. Et qui souffrent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et là, j'ai envie de leur donner ce qu'ils ont besoin. Il ne s'agit pas de donner de la spiritualité à quelqu'un qui a besoin de pain. Il ne s'agit pas de donner ce que l'on désire donner, mais de donner ce que l'autre a besoin. Et donner l'autre ce que l'autre a besoin, ça exige qu'on le sente, qu'on le comprenne, qu'on soit proche. Alors à ce moment-là, on peut donner. Mais parfois, il ne s'agit pas de donner beaucoup. Un regard, un sourire, une compréhension, c'est beaucoup plus que de donner de l'argent, de
qui est beaucoup plus facile à donner parce qu'on en a, quand on n'en a pas, c'est autre chose, bien sûr. Donc voilà un peu le chemin initiatique. Alors, le thème de notre soirée était est-ce que c'est utile encore dans notre siècle ? Oui, c'est utile. C'est utile parce que notre société, toutes les sociétés d'ailleurs, au moment où elles ont été, ont vécu et ont pensé c'était la crise, parce que c'est douloureux de vivre. Mais nous sommes dans un espace particulièrement douloureux où tout est remis en cause. L'existence d'une nation, l'existence du peu d'argent que nous possédons, l'affection, la possibilité de travailler. Enfin, nous sommes dans un monde tourmenté où nous ne savons pas ce qui adviendra, où les jeunes sont complètement perdus et ont besoin de s'affirmer, et s'affirmer n'importe comment puisqu'on leur a jamais dit ce qu'ils étaient. Alors on a besoin d'une initiation qui nous dit bon, ben, tout ça, bien sûr, il faut être responsable et assumer. Mais ma valeur, ce que je suis, c'est ce que je suis intérieurement. C'est l'être humain qui se développe. C'est le passage lorsque je suis né par la porte des hommes, lorsque j'ai franchi la porte des hommes pour rentrer sur Terre. Tout ce trajet que je vais faire pour atteindre la porte de l'invisible où je vais disparaître, à quoi ça sert ? On dit bien la sagesse traditionnelle dit on n'emporte pas ses richesses, on n'emporte pas ses tableaux, on n'emporte pas ses biens matériels. D'accord ? On le sait, mais on en souffre de ne pas les emporter. On voudrait les emporter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un détachement ou à développer une partie de nous-mêmes qui n'a plus besoin de ça ? Et chez les jeunes, ce serait pareil. Nous voyons des jeunes qui sont complètement déracinés, qui sont tout seuls, qui sont brimés, qui se sentent isolés. Si brusquement on pouvait leur faire comprendre que eux-mêmes sont l'aventure à vivre et que leur valeur c'est d'être des hommes véritables, alors, et non pas l'ego qui se révolte, alors peut-être qu'ils trouveraient un sens à leur vie. Et dans notre société, plus on est initié, c'est-à-dire plus on a une vision objective de ce qui est, plus on peut aider les autres. On ne peut pas souhaiter que tous les hommes soient des initiés. Tous les hommes n'ont pas envie de se perfectionner. Tous les hommes n'ont pas envie de devenir autres. Sont aussi respectables pour autant. Donc nous ne pouvons pas travailler pour changer la société. La grande erreur que nous avons faite, quand je dis nous, je parle de l'humanité, bon, on a été sous l'emprise des religions pendant très longtemps, puis on s'en est débarrassé et on a créé des idéaux parce que l'homme aspire, c'est fait vraiment partie de lui cette évolution. Donc il aspire à mieux, à plus de bonheur, à plus de joie, à plus d'amour. Alors il a créé d'immenses idéaux. On a eu le christianisme en Occident, ça a terminé par l'inquisition. On a eu le communisme, ça a terminé par les goulags. On a eu des tas d'idéaux comme ça qui sont nés et tous sont périclités. Pourtant, ils étaient merveilleux, donc il ne s'agit pas de créer un nouvel idéal. Et la maçonnerie n'est pas un nouvel idéal. Mais quel est le dénominateur commun de tous ces idéaux qui ont périclité ? C'est l'homme. C'est l'homme qui n'a pas pu les appliquer. Donc ce n'est pas en travaillant et en créant des idéaux qu'on pourra changer, c'est en faisant que l'homme soit capable de vivre son idéal et de bâtir un monde qui tient compte de la réalité, parce qu'un idéal
qui est bâti sur les réalités, ça peut être un très bon idéal, mais on est passé du pouvoir des arts et de l'aristocratie au pouvoir des paysans, encore, c'est différent un peu, mais d'une autre caste qui a pris le pouvoir pour mater les autres hommes. Donc c'est pas en changeant ce genre de choses, même la révolution a terminé dans la terreur, et pourtant, quoi de plus extraordinaire socialement que cette république qui s'est bâtie sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais les hommes ne sont pas capables de vivre. Alors, disons bien entre nous que la maçonnerie ne veut pas révolutionner la société, elle veut changer les hommes individuellement pour que les hommes changent et puissent agir différemment dans la société. Il s'agit de devenir capable de vivre dans une société où on puisse être fraternel, où on puisse s'aider, où on puisse comprendre et être un peu plus juste. Voilà un peu, il y aurait encore tant de choses à dire, je ne voudrais pas tout dire pour ne pas m'éterniser. Je crois que le plus intéressant de venir maintenant, c'est-à-dire que vous me posiez des questions, que nous échangions, parce que ce qui est important sur le chemin initiatique, c'est la question personnelle qu'on peut se poser. C'est celle-là qui intéresse. Si je parle de l'histoire de l'initiation, bon, on a l'air d'être cultivé, mais ça nous transforme pas beaucoup. Alors qu'on a des obstacles à notre transformation, et c'est peut-être cela qu'on peut maintenant échanger entre nous. Ma quanto tempo dura l'usare.